Apporte-moi un arc. Regarde. Capitaine! Capitaine Simpad! Regardez l'oiseau! Il tient quelque chose dans les pattes. Abdullah! Salim, c'est de l'or! Cet oiseau n'est pas un albatros. C'est peut-être une corneille. Elle vole les objets qui brillent. Non, la corneille n'est pas aussi grosse que ça. Non, Omar! Imbécile! Tu as attiré le mauvais sort sur nous tous. Capitaine! Jette-le à la mer, jette-le! C'est le malheur. Je le sens. Saint nom d'Allah. Jette-le par-dessus bord. Je le garderai sur moi. Yeah.
Marabia. Nous sommes sûrement à Marabia. Nous avons dérivé loin de notre route. Non. Le rêve que j'ai eu, Rachid, ressemble à ce que j'aperçois. Une force mystérieuse nous a poussés vers ce rivage. N'est-il pas écrit qu'il est recommandé aux sages de réaliser son rêve, de suivre les signes? Il est vrai que c'est à travers les rêves qu'Allah parle aux pauvres humains. Ignorer un rêve... C'est ignorer Allah. Oui, capitaine. Mais celui qui marche sur les flammes se brûlera les pieds. Capitaine. Je vais aller à terre. Il y a là, derrière, un excellent mouillage. Je te retrouve là-bas. En route! Cap sur le mouillage! C'est toi le capitaine Sinbad? Oui, c'est moi. C'est donc toi le voleur. Le voleur est roi jusqu'à ce qu'il soit pris. Ce bijou accroché à ton cou, capitaine, m'appartient. Rends-le-moi, sinon je te coupe la gorge. Tu mourras si tu refuses. Tu l'as volé à mon messager. Très bien. Nous avons attendu longtemps. Il s'est enfui, Ahmed. Il est entré dans la ville et m'a échappé. La garde du sultan a couvert sa fuite. Comment vous en êtes-vous sorti, Excellence? J'ai pu faire descendre juste à temps les portes de fer de la ville. Votre main, Excellence. Ne perdons pas de temps, Ahmed. Celui qui cherche les perles doit renoncer au sommeil. Sinbad est en ce moment avec le vizir. Il est indispensable que leurs paroles me parviennent. La souris dans le mur donne au mur des oreilles. J'ai mon espion. Il ne me trahira pas une deuxième fois. Thank you.
histoire est bien étrange, Sinbad. Quoi qu'il en soit, un fait est là, qui confirme ton récit. Cette amulette autour de ton cou, elle fait de nous des alliés contre le même ennemi, celui qui la convoite autant que moi. Le sort ou le destin nous a conduits l'un vers l'autre. Cette idée me réconforte. Pourquoi ? Notre pays est en train d'étouffer sous l'emprise de forces malfaisantes envoyées par le prince Koura. Koura ? Celui qui cherchait à me tuer ? C'est un homme versé dans tous les arts de la magie et dont l'ambition est de soumettre ce royaume à son pouvoir. Par ici. J'ai une histoire aussi étrange que la tienne à raconter. Notre sultan est mort sans laisser d'héritier. Avant de mourir, il me nomma grand vizir, héritier de deux énigmes, faisant partie toutes les deux d'un fabuleux secret. Et comment ces deux énigmes sont-elles posées? Tu vas le voir. Voici la première. Cette peinture fait le récit d'une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée. Il en reste peu de choses. Dès que le sultan eut poussé son dernier soupir, je me hâtai ici afin de déchiffrer cette fresque. Mais une immense boule de feu jaillit et envahit cette salle. Les flammes ravagèrent mon visage et ne laissèrent sur le mur que les quelques plaques de couleur que tu vois là. Une boule de feu ? L'œuvre du prince Koura. Vous aviez parlé de deux énigmes. Voici la deuxième. Un objet que le feu ne pouvait détruire. Un message, un signe, une clé. Et il est dit que l'énigme commencera à se dévoiler quand cette amulette et celle que tu portes à ton cou seront placés devant l'éminence suprême, qui demeure dans le temple des quatre visages. Mais la clé est encore incomplète. Elle s'emboîte à la perfection. J'avais donc raison de penser que seul le destin a pu te conduire ici. Oui, c'est encore une énigme. Mais ceci et cela seraient donc les clés d'un grand et mystérieux secret. Quel est-il ? Et que peut-il procurer ? Le pouvoir. Le pouvoir absolu. Le pouvoir de débarrasser à jamais cette terre des noires ambitions du prince Koura. Et si jamais ce pouvoir tombait aux mains de Koura ? Cette pensée ne cesse de me tourmenter. Car si le prince Koura possédait le pouvoir absolu sur cette terre, Marabia perdrait à jamais sa liberté et son bonheur. Le pouvoir absolu ? Allah veuille que Koura ne nous entende pas. Nous devons nous employer tous les deux à résoudre cette énigme avant le prince Koura. Si c'est la volonté d'Allah. Cette fresque doit signifier quelque chose. Je vois un navire et un long voyage. Et une île. À mon sens, ces symboles menaçants ne peuvent augurer qu'un danger de mort. Ou de grandes richesses en perspective, ou un trésor caché. Ou peut-être rien de tout cela. Plus j'étudie cette fresque, plus le mystère s'épaissit. Et les amulettes, que veulent-elles dire ? Il y a un troisième segment qui reste à trouver. Nous devons le trouver. Sinon, notre pays sera maudit à jamais. Mais comment trouver ce segment ? –
regardez cela. Le méridien. Là, ce sont des bancs de sable. Et l'île. C'est une carte, grand vizir. Une carte marine. Et tu commandes un navire. Allah soit loué. Dans un monastère. On a pareil avec la marée. Elle a enlevé que deux voiles. Si les vents sont favorables, nous atteindrons cette zone avant que Vénus apparaisse. Ensuite, nous suivrons Orion jusqu'à des eaux où je n'ai encore jamais navigué. Mais pourquoi me regardez-vous ainsi? Tu as foi dans ton destin. C'est cela qui nous a conduits l'un vers l'autre. C'est possible. Et avec l'aide d'Allah, nous sommes sûrs de triompher. Il y a un vieux proverbe plein de bon sens. Crois en Allah, mais attache ton chameau. C'est l'espion de Koura, son chien de garde. Vite, vite! Il nous a déjà trahis. Quelle est cette bête? Une créature de Koura, un homme chauve-souris, à qui il prête sa vue et son ouïe. Grâce à lui, Koura en sait maintenant autant que nous. Ce sera donc une course, un duel. Nous chercherons cette île, à travers les océans. Lui aussi la cherchera. Trouve-moi un navire et un capitaine expérimenté. Il devra être prêt à appareiller avec la marée. Excellent. Tu es encore plus fort que ce que l'on dit. Tu es Simbad, n'est-ce pas, le capitaine du navire ancré au large? Oui. Ah. Je m'appelle Hakim, le propriétaire de cette somptueuse boutique. Je voudrais t'employer. Hélas, j'appareille avec la marée. Non, c'est un tout petit service, une faveur.
Oh, viens, le temps de prendre une tasse de café avec moi. Je t'en prie, c'est ici. Viens, ça prendra juste un moment. Il s'agit d'un petit service. Ce garçon, c'est mon fils Haroun, un imbécile, incapable. Je te donne 200 pièces d'or si tu l'embarques avec toi. L'embarquer avec moi? Il serait incapable de servir de l'est. 300 pièces d'or. Mon ami, avec une main, tu ne peux pas prendre de citrouille. Moi, je ne sais pas faire de miracle. Au revoir. Tu veux t'asseoir? La fille. Cette fille? Une petite esclave. Mais tu la regardes et elle semble te plaire. Je te la donne. C'est un présent que je te fais si tu acceptes mon fils et mes 400 pièces d'or. Dis-moi ton nom. Mariana. Mais cette marque. Quitte la fête. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai depuis l'âge de 5 ans. Ça porte malheur. Non, non, non. On me l'a tatoué, ça ne disparaît pas. C'est peut-être un signe favorable. C'est excellent contre les esprits malfaisants. Tu n'as pas d'autre explication à me donner? Elle a des courbes intéressantes. Moi, je les aime un peu plus grasses, mais enfin, vous savez, la nuit, une graine de coton ressemble fort à une perle. Je la trouve agréable à regarder. Oui, nous sommes d'accord. La fille, mon fils et 400 pièces d'or. Allah te fera 1000 sourires. Dis plutôt qu'il se moquera de moi. Amène-les à bord. Ce sera fait. Ces gens-là viennent faire à bord. Grand vizir! Regarde, c'est le grand vizir. Salam alaikum. On dit que la passion de l'or monte à la tête. Mais là, c'est trop. Fais lever l'ancre. Oui. Levez l'ancre! Larguez les amarres! Allez, hissez. Hissez la bombe! Clairement favorable, capitaine. Police! Le temps est bon! Le vent favorable! C'est pareil, capitaine. Chaque voyage a un attrait différent. J'espère que tu as compris ce que tu dois faire. Oui, monseigneur. Dans quelques minutes, le navire de Sinbad doublera son promontoire, faisant voile vers le large. Tu vas le suivre. Sois rusé et adroit. Ne le perds jamais de vue, reste dans son sillage. Celui qui use de patience récolte le trophée. Nous devons avoir la même idée, Rachid. Oui. Capitaine, si vraiment cette île existe ici, le seul nom qui vient à l'esprit, c'est Lemuria. Lemuria? Oui, cette île mythologique que tous les marins du monde recherchent depuis des siècles. On dit que l'île de Lemuria n'est qu'une partie d'un continent immense englouti sous les flots. C'est un lieu où, paraît-il, règne la terreur et la mort. Et je dis, moi, que celui qui craint l'aventure craindra de s'asseoir sur son propre derrière. Voici mes conclusions. Nous chercherons Lemuria. En mesurant notre adresse face à la mort. Et en échange de bonnes récompenses. Trouvez cette île et chaque homme d'équipage sera un homme riche. Êtes-vous avec moi? Oui! Allez, Mouria! Allez, Mouria! Et à la récompense! À la récompense! Même s'il fallait aller au cœur de l'enfer! On ne nous achète pas, capitaine!
sauf avec des pièces d'or. Je vous préviens tous, il n'y a pas de place sur ce navire pour les paresseux. Chaque homme fera son travail, et davantage s'il le faut. Et il y a de l'eau autour du navire? Il y a de l'eau partout? C'est le grand large? Ce petit est un génie. C'est mon père dans notre échoppe. Je me souviens qu'il m'a réveillé. Et il m'a dit... Ah oui, je me souviens très bien maintenant. Il m'a dit, va faire un petit tour en bateau. L'air de la mer te dégrisera. Voilà. L'air marin est magnifique, je suis complètement dégrisé, alors maintenant, rentrons. Désolé. Nous suivons notre route. Et tu es là pour la durée du voyage. La durée du voyage? Tant pis, ça aurait pu être encore plus désastreux. Un ou même deux jours loin de mon père me feront du bien. Une semaine ou deux? Un mois? Plus d'un mois? Mettons deux ou trois ans, c'est possible. Deux ou trois ans? Mais je serai un vieillard à cheveux blancs, je serai mort d'ici là. Oh, conduis-moi à ma cabine, j'ai la tête qui tourne. Ni cabine, ni serviteur. Tu loges avec l'équipage. Si tu veux manger, tu travailles. Travailler? Travailler? Mais c'est inhumain. Haroun? Tu es plus agité qu'un derviche tourneur. Pour l'amateur de hashish que tu es, tu n'es pas suffisamment serein. Je t'affecte à la vigie. La vigie? Et cela consiste à rester assis et à bien ouvrir l'œil. À rester assis? Parfait! Haroun? Tu montes? Et tu t'assieds là-haut. J'oubliais que je n'étais pas seul. Toutes mes excuses. Non, non, c'est à moi de m'incliner devant toi. Je suis ton hôte. Ne suis-je pas ton esclave? Mon esclave? Relève-toi. Je suis ta propriété. Mais pas du tout. Nul être humain n'a le droit de disposer d'un autre. Tu es libre. Tu n'appartiens désormais qu'à toi-même. Et sur ce navire, personne ne doit disposer de toi. Est-ce que tu comprends cela? Bien. Je vais me changer. Donne-moi à boire. S'il te plaît. Naturellement. Capitaine Sinbad! Capitaine Sinbad! Oui? Haroun a vu une lumière à l'horizon. Là-bas. C'est un navire. Il nous suit? Maintenez la route. Bien. S'il est encore là au lever du jour, nous saurons. Oui, c'est Koura. C'est lui.
Je peux virer de bord, l'attaquer et le couler. S'il ne nous coule pas lui-même. Sinbad a expédié par le fond plus de pirates que je ne saurais compter. L'enjeu est trop important. Nous avons l'avantage, nous devons le maintenir. Nous ne pourrons pas toujours battre son navire de vitesse. Mais tu peux le surpasser en finesse. La cabine est très bien tenue. Tu es une femme pleine de dons. Mais tu les as tous, sauf un. Quel est-il ? La curiosité. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi tu m'accompagnes dans ce voyage. Je ne suis devenue une femme libre que depuis peu. Les esclaves ne posent pas de questions. Et je suis parfaitement heureuse d'être ici. Nous sommes pourchassés, poursuivis. Mais la proie doit dépister le chasseur. Qui vous pourchasse ainsi ? Un démon. Un grand démon à forme humaine. C'est à cause de lui que tu es ici. Lui et la marque sur ta main. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je voudrais bien le savoir. Serre, écoute ! Attirons-le dans cette zone d'épais brouillard, ici. Il y a suffisamment d'écueils pour défoncer sa proue et déchirer sa quille. Mais ton navire risque de subir le même sort. Ce n'est pas tout à fait pareil. Nous avons déjà navigué dans ces eaux, hein, Rachid ? C'est vrai, oui, une fois. Le fond est à 4 pas. Mais comment se dirige-t-il sans rien voir? C'est terrifiant. Il navigue à l'aveuglette. Sinbad n'a pas besoin de voir. Il sent. Il devine son chemin. Capitaine! Jetez l'ancre! Pas encore. Continuez à le suivre. Le brouillard s'épaissit. Nous allons briser le navire. Le capitaine Sinbad arrive à se diriger, lui. Il doit certainement avoir une carte, monseigneur. Le fond est à 6 brasses. 4 brasses. La barre au nord-est. Nord-est, capitaine. Si Allah le veut.
attaque-la au harpon. Reviens, je t'ordonne de revenir. Ah, ah. Elle a coulé comme un bloc de pierre. C'est impossible. Le bois flotte. Oui, mais le harpon est en fer. Elle a pris la carte. Mais j'en ai gardé le tracé. Là. J'ai accouru à votre cri. Alors tu sais. Je crois deviner. Oui. Oui. Si vous continuez ainsi, maître, vous mourrez. Faire appel aux démons de la nuit est un acte qui a son prix. Chaque fois que je les invoque, j'use un peu plus de ma vie. Allez, viens, Ahmed. Il n'y a pas une minute à perdre. Hisse encore un peu. Encore.
sabre. Maintenant, reprends ta route, capitaine. Vous aimez le lutte, capitaine? Beaucoup. Un jour, tu me joueras une balade. Mais je viens de jouer une balade. Lemuria. C'est là où le destin nous donnera la réponse. Nous irons à terre au lever du jour. Et puisse notre bonne étoile nous accompagner. Maître, le capitaine vous fait dire que nous suivons le cap. Mais nous n'avons aucun espoir de rattraper Simbad. Peu importe, Ahmed. Je m'attendais à ce contretemps. Et je m'y suis préparé. Quelques ingrédients, il n'en faut pas davantage. Non. Nul ne doit assécher le puits où il s'abreuve. Quoi, tu oses défier les démons de la nuit éternelle? J'ai vu, hélas, comment ils détruisent vos forces. Regardez. Voilà ce qu'ils ont fait de vous jusqu'à présent. Si vous continuez, vous risquez de périr avant que la journée finisse. N'as-tu aucune foi en mon pouvoir? Nous triompherons bientôt, Ahmed. Ma vie et mon sang lui donneront la vie. Viens.
va chercher le capitaine Sinbad. Cherche bien et trouve-le. La magie purge l'âme, Ahmed. Durant la nuit, il entendra, et durant le jour, il regardera. Il y a quelqu'un là-bas. Là. Très volontaire. La terre, quelle qu'elle soit, est une bénédiction. Même le terrain dangereux? Dangereux. Dangereux, mais on m'a jamais dit que ce serait dangereux. Tu n'as pas demandé. Accosté sur ce rivage appelle des réjouissances. Que les hommes retournent à bord et qu'on leur donne du vin. À vos ordres. Je sais que vous vous proposez que nous allions seuls à leur poursuite. Mais ce serait de la folie. Nous avons de quoi nous protéger, Ahmed. Nous avons largement de quoi. Je t'abandonne? Moi? Oh non, mon cœur est tout gonflé de hardiesse. Mais mes jambes sont d'une grande lâcheté. Ainsi qu'il a été dit, voici le temple aux quatre visages. C'est ici que réside l'oracle de toutes les connaissances. Comment croire que je suis si près de lui? Il nous faut trouver l'éminence suprême. Thank you.
c'est l'oracle? Non, c'est le gardien, le vigile, à qui nous devons d'abord nous présenter. J'apporte un message, un signe du sultanat de Marabia. Nous venons humblement consulter l'oracle de toutes les connaissances. Deux amulettes d'or qui s'imbriquent pour n'en former qu'une. Hardwick. Soit encore bien loin d'ici. Une troisième. Une ultime étape, encore est à faire, qui mène aux entrailles profondes de la Terre. Il parle par énigme. Tant qu'elle n'est pas gagnée, nulle course n'est perdue. Quand surgit le noir suppôt de l'ange déchu, enfanté par le diable, nourri de soufre noir, usant pour triompher d'un malfaisant savoir. Le destin est invisible. Essayer de le fuir est insensé. Il nous suit et il marque d'un doigt éternel nos mortelles années. Le destin est un lieu où voisine le bien et le mal, mais leur essence profonde annule leur pouvoir. Car ce sont les actes mêmes du faible mortel qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et l'univers entier saura, et vous saurez tous enfin, quel choix a fait le destin. Et vous irez à lui. Allez. Maintenant, allez. Allez où? Allez au nord. Jusqu'au cœur désertique du pays disparu. Et des peuples hérétiques, auprès de la déesse qui étend ses bras en grappe, où l'intrus ne rencontre que la flèche qui le frappe. Dans ce temple sacré, caché aux regards humains, se trouve la troisième amulette d'or qui complète l'ultime dessin. Maintenant, allez! 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 Allez au nord!
Mettez-vous à l'abri, vite! On sortira! Adieu, capitaine Sinbad. Notre destin est peut-être d'être enterré vivant. Le destin d'un homme est dans ses actes. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Rachid, ton arc. Prenez tous vos turbans et vos ceintures et faites-en une longue corde. Nous allons tous devenir fous si nous restons ici. Regardez ça. C'est une flèche sûre et solide. Avec une corde assez longue. Dépêchons-nous. J'ai foi en Allah. Attache ton chameau. Allez, dépêchez-vous de défaire vos turbans et vos ceintures. Allez, dépêchez-vous. Serrez fort. Tiens, tiens. Bien, très bien. Rachid. Capitaine a réussi. Hey, c'est moi le plus léger de tous. Oui, mais c'est moi le plus audacieux. Attention, capitaine. Allez, continue. Allez, grimpez tous, un par un. Marianne à la première, vite!
Je vois des lueurs. C'est le pays décrit par l'oracle. Très bien. Continuons d'avancer. Sacrifier à leur dieu vivant. Ô puissante Kali, je suis encore plus puissant que toi. Je suis ton suzerain. M'entretenir un moment avec leur déesse. Partez! Dans ce temple sacré,
cachée aux regards humains, se trouve la troisième amulette d'or. Elle est ici, la troisième amulette d'or, quelque part ici. Et je la trouverai. Je ne veux pas y renoncer. Je la veux. Courant ! Nous voici de nouveau face à face. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Un duel à mort, Kali, à la mort de notre ennemi. Thank you.
Sinbad. La troisième amulette. Il est écrit ici que la fontaine du destin est à quelques minutes de marche. C'est là où les dieux distribuent leurs bienfaits aux humains. Mais je n'entrerai pas dans ce lieu béni les mains vides, car il est écrit aussi que celui qui placera chacune de ses amulettes d'or dans l'eau sacrée de la fontaine recevra en partage la jeunesse. Un écran de ténèbres et par-dessus tout, une couronne d'une incomparable richesse. Tout cela est ma destinée. Mais j'ai bien peur que ta destinée ne soit devant toi, puisque tu as anéanti leur plus précieux reliquaire. Puisse Allah te prendre en pitié. Adieu, capitaine Sinbad. C'est la fin du voyage. Pour moi, il commence. Retourne au navire, Ahmed. Entendre, c'est obéir, maître. Que l'équipage s'apprête à nous ramener à Marabia. Monseigneur. Il croit que c'est une déesse. Leur déesse. Allah soit loué. Non, elle a été choisie pour être sacrifiée au dieu, l'œil unique. Thank you.
par ici. Viens.
Tu as suivi mes pas au lieu de suivre Koura. Il a donc remporté la course. La course, peut-être. Et le prix aussi. Non, pas le prix. Mais la couronne d'une incomparable richesse. Je n'ai aucun regret. Où est Mariana? La dernière étape. Voilà revenu, cet homme dérisoire. Tu arrives trop tard, Sinbad. L'écran de ténèbres, les incomparables richesses de la couronne, je te les conteste. Oh, accourez, démon de la nuit. Débarrassez-moi enfin de cet ennemi qui s'interpose entre moi et ma destinée. Je supplie. Aucun d'eux ne t'entend. Je vous implore.
C'est ainsi que l'oracle l'a prédit. Les forces du bien et du mal dans leur lutte éternelle. Il a également dit que ce sont les actes mêmes du faible mortel qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Sinbad, un écran de ténèbres pour l'esprit. Je ne vois pas d'écran. Tu le verras. Regarde de tous tes yeux, Sinbad. Tu ne pourras pas me tuer car tu ne verras rien. Je te félicite, capitaine. Ton bras est valeureux. Mais hélas, tes yeux te trahissent et tu ne distingues plus rien de moi. Malgré toute ta force, tu es impuissant. Aussi impuissant qu'un enfant. Je peux te tuer quand je veux, capitaine. Quand je veux. Je ne peux pas me tuer, mais je peux te détruire. Vous détruire tous.
Richesse. Majesté, c'est vous le véritable et digne successeur au trône de Marabia. Et c'est ainsi qu'Allah, dans sa sagesse, m'a permis de retirer cette couronne de la fabuleuse fontaine du destin et d'en ceindre votre front. Pourquoi ce geste? Tu renonces à un grand royaume, à la fortune, aux honneurs, mais pourquoi? J'aime la liberté. Un roi n'est jamais vraiment libre. On va jusqu'à lui dire qu'il doit épouser. Capitaine! Capitaine! Je suis un marin qualifié, j'espère que vous me garderez! Haroun! Arrime-toi avec cette corde! N'ayez crainte! J'ai toujours confiance en Allah! Mais attache ton chameau!